À 6h20, là, je suis le premier à fouler le sol. Je te parle de quelque chose. Je suis en bagbal. Il y a foi. Ciao, Gabo. C'est la question que je pose. Les amis de Ouattara, tu veux commencer tout de suite? Tu veux pas que je bois? Je suis sur le point d'aller chercher un café d'abord. Ah, c'est le team de Ouattara et sa bande. Nous sommes ici pour manifester pour la libération de Babo et de la Côte d'Ivoire dans le pouvoir des grandes corporations économiques et de la politique de Sarkozy et de Chirac et du monde contre la liberté. Et aussi nous manifestons pour notre parent qui est mort, qui a été assassiné en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane, le gangster que la France a mis à la tête du pays. Nous arrivons par l'Italie, Turin exactement, au nord d'Italie. De la tête d'Ivoire. Alors, chers amis, je vous invite. Je pense que il y a nos camarades de la Grande-Bretagne qui viennent d'arriver. Voilà, c'est parti pour nos camarades qui arrivent. Je crois que la Grande-Bretagne vient d'arriver. Tous les cas et tous. Est-ce que l'Italie est là? Est-ce que l'Italie est là? Parce que les Hollandais doivent savoir que les Ivoiriens sont mobilisés et nous irons jusqu'à ce point. Il va trouver, il va chercher, il va trouver, il va trouver. Là, je suis fatigué. Les Ivoiriens iront jusqu'au bout avec le président Laurent Gbagbo. Le peuple de Brune, l'Italie est là. Ok. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations. Ceux qui nous arrivent de Paris, de Belgique, d'Angleterre. Nous voulons toujours
passer par la démocratie. C'est la démocratie qui est notre arme. Chers frères, est-ce que nous pouvons lancer ta main au président de l'Ambago? Est-ce que nous pouvons lancer ta main au président de l'Ambago? C'est pas vrai. C'est pourquoi que nous sommes là. Nous sommes là pour démontrer à toutes les voix du monde. Je suis à plein de paix. On doit faire du bruit, chers camarades. On doit faire du bruit. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous devons tous démontrer à l'opinion internationale que le président Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur comme il le dit. Voilà. Avant d'arriver au pouvoir, il a fait ses preuves. Qui peut comprendre, comment comprendre qu'on attribue la dictature à notre président de la République? C'est ceux-là même qui a instauré la démocratie en Côte d'Ivoire. Thank you.
Benewende Carlos Drogo. Donc là, je suis à la haie pour voilà, manifester mon expression panafricaniste d'abord et soutenir surtout la lutte qui est la libération du président Gbagbo, qui est une nécessité et qui est quelque chose qui doit se faire parce que ça serait le contraire, sera absurde. Donc, face à cette absurdité, on est venu là pour manifester notre envie que les choses changent et surtout notre expression du panafricanisme, qui est la seule arme, qui est le seul moyen pour lequel le continent entier pourra se relever. C'est fini les consciences micronationalistes, c'est fini les consciences tribales. Maintenant, nous sommes à l'ère de la conscience panafricaniste. C'est ensemble que nous vaincrons. Voilà les raisons qui m'ont conduit là, à la haie. Les habillés.
Il a beaucoup souffert. Il s'est beaucoup battu pour lui. Pour l'amour de Dieu, et mon babo. Je suis Beta Simon. Je suis là pour exprimer mon mécontentement. Je suis là pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Je suis là pour dénoncer l'injustice à travers le monde. Il faut comprendre que il y a des choses qui se passent de manière arbitraire. Si Laurent Gbagbo est en ce moment en prison, ce n'est pas sa place. Et malheureusement, que le mal est institutionnalisé. Ceux qui font du bien sont dans des prisons. Et ceux-là qui font le mal sont au dehors. Moi, je suis un artiste musicien. Je suis venu pour donner mon point de vue. Et c'est ce que ça devait être comme démocratie. En démocratie, chacun doit donner son point de vue. Mais malheureusement, quand tu penses, tu donnes ton point de vue, tu es considéré comme une personne qui s'oppose à une idéologie et automatiquement tu as des ennemis. Moi, je n'ai pas le temps d'avoir un ennemi. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Mais seulement je peux donner mon point de vue. Aujourd'hui, les institutions qui nous dirigent à travers le monde, comme l'ONU, comme quoi que ce soit, à mon avis, ils me font rigoler. Voilà, je ne les trouve vraiment pas crédibles. Parce que le Conseil permanent de l'ONU, il y a 5 pays. Et ces 5 pays-là n'ont jamais alterné. Ce sont les mêmes personnes, ils sont toujours restés là où ils sont. Donc ça aussi, c'est la dictature. Et ces personnes-là veulent enseigner la démocratie aux autres. En tant que qui vous a établi, moi je me pose la question. Mais je ne m'inquiète pas. Je sais que le ciel s'est positionné positivement pour la communauté, pour le monde entier, pour des personnes, pour l'humanité. Voilà. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que les choses vont se passer tout seul. Tout seul veut dire quoi? Ce n'est pas avec les armes. Aujourd'hui, si c'est les armes, ils ont déjà ça. Ça, on le sait. Mais la pensée, la volonté de l'esprit et la communication, le sens de l'harmonie, la bonté, c'est cet exemple-là qu'on doit donner. J'ai envie que mon ennemi reste en vie. Voilà. Et que on découvre le devenir de qui que ce soit. Honnêtement, je souhaite une sente de fer
au président Laurent Gbagbo qui est dans un endroit. Mais il faut retenir que même Dieu a permis au diable de tenter ses serviteurs. Pourquoi cette permission? C'est pour voir la détermination de ses adorateurs. Voilà. Donc si aujourd'hui Laurent Gbagbo est là où il est, effectivement il y a eu un moment, il y avait eu beaucoup de brouhaha autour de lui. Je pense que c'est le moment où il entend lui-même la parole de Dieu. Quand il y a beaucoup de personnes qui parlent à côté de toi, tu n'as pas le temps d'écouter la parole. Mais quand tu es isolé, que tu es seul, Dieu vient te parler. Tu écoutes intuitivement et non intellectuellement. Oui. Que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier. Mais il doit prendre conscience aussi que c'est le temps d'un nouveau paradigme. Ce n'est pas le paradigme de l'impérialisme conçu par le Vatican et le catholicisme cupide, non. Mais ce serait un paradigme réfléchi par des humains avec un caractère humain. Et ce temps-là, il est arrivé. Ce n'est pas le moment de conquérir. C'est le moment de cueillir parce que tout est mûr pour ceux qui ont peur, ceux qui peuvent couvrir l'œil spirituel. Ce n'est pas le moment de conquérir, c'est le moment de cueillir. La fourmi dit qu'elle est rassasiée, l'éléphant aussi dit qu'il est rassasié. Les deux n'ont pas consommé la même quantité, mais les deux sont rassasiés. Nous ne sommes pas dans la philosophie de la supériorité ou l'infériorité, mais la complémentarité. Celui qui croit être au sommet parce qu'il est sur l'arbre doit prendre conscience que l'arbre est au pied d'une montagne. Oh, bless you. Bonsoir, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes là aujourd'hui, le 13 août, et nous sommes donc au cheval 1, nous sommes donc à La Haye. Parce que nous voulons que le président Gbagbo soit libre. Nous nous battons depuis des années pour que le président soit libre, que la Côte d'Ivoire soit libre. Donc nous sommes là, nous sommes aujourd'hui tous réunis, tous les panafricanistes. Patrice Lumumba disait qu'il est temps que les Africains écrivent eux-mêmes leur histoire. Il est temps et les Africains sont prêts à écrire leur histoire. Et l'histoire ne ment pas. L'histoire, tôt ou tard, dit la vérité. Donc nous sommes là pour écrire une page de l'histoire, qu'il soit de Paris, qu'il soit d'Amsterdam, de tous les pays d'Europe, d'Allemagne, partout. Nous sommes croisés ce matin ici et nous voulons absolument montrer aux yeux du monde que jugement ou pas jugement, tribunal ou pas tribunal, nous sommes derrière le président Gbagbo. L'Africain d'aujourd'hui ne doit plus permettre à ce que l'Européen vienne nous prendre nos leaders. On ne peut plus assister à ce que les autres viennent tuer nos leaders. Nous sommes donc derrière notre leader. Nous voulons absolument que ceci ait une fin. Et nous attendons que l'on vienne dire la vérité. C'est pour ça que nous attendons que le président vienne parler, qu'il dise ce qui se passe, parce que tout cela a été monté et de façon ignoble. Nous voulons le président Gbagbo libre. Nous voulons tous les Ivoiriens emprisonnés libres. Nous voulons toutes les personnalités, que ce soit Madame Yves Gbagbo, que ce soit le président de Afinguessan, tous ceux qui ont été le ministre Béchiot, tous ceux, le gouverneur Dapourri, tous ceux qui sont emprisonnés, et surtout tous les enfants patriotes doivent sortir de la prison. Il faut que Ouattara libère, s'il veut une réconciliation. La réconciliation ne peut que passer par Gbagbo, ne peut que passer par les jeunes patriotes. Nous voulons la Côte d'Ivoire libre. C'est pour cela que nous sommes là. C'est ça notre bataille. Elle est là pour le président Laurent Gbagbo. Les enfants, tout le monde se déplace pour venir à La Haye. Et là, nous venons de Paris, donc c'est pour dire que on veut la paix en Côte d'Ivoire. Moi, ce que je voulais dire à Alassane Ouattara, s'il veut vraiment qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'il essaie de libérer tous les prisonniers.
parce qu'il ne peut pas voir les Ivoiriens en prison et puis dire que demander à faire la paix. Pour la paix, il est président, bon. S'il veut qu'il y ait la paix, que les Ivoiriens soient ensemble, qu'il libère tous les prisonniers. Surtout le fils à Gbagbo qui n'a rien à voir dans l'histoire. Est-ce que lui-même perdait ses enfants, perdait sa femme, qu'il libère l'enfant de Gbagbo, qu'il libère tous les prisonniers. Et il verra que la Côte d'Ivoire, ça ira de l'avant. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et là, nous sommes à La Haye. On devait juger le président Gbagbo aujourd'hui. Ils l'ont pas fait, mais on est quand même là, on le soutient. Et que Dieu le protège, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la paix revienne au pays. Je suis Garcia. Je suis camerounaise, mais je suis mariée à un Français, je vis en France. Et là, je viens soutenir le président Gbagbo parce que ses idées sont les idées de l'idéal africain. Et moi, je suis panafricaniste. Et je pense qu'on ne doit pas toujours continuer à nous diviser pour régner chez nous. Et il faut, parce que moi, j'ai besoin que l'Afrique se réconcilie avec elle-même. Et je veux ajouter une chose, c'est que je veux que les Africains, que l'Afrique soit aimée. Parce que l'Afrique n'a jamais été aimée. C'est là-bas qu'est né l'amour, mais l'Afrique n'est pas aimée. Et elle n'arrive pas à recevoir l'amour ni de ses enfants, ni des étrangers qui viennent profiter de l'Afrique. Alors il va falloir qu'on aime notre Afrique et qu'on arrive à faire des choses et qu'on n'accepte plus que certaines choses arrivent en Afrique. Voilà pourquoi je suis là pour militer pour qu'il n'y ait plus jamais de génocide en Afrique. Moi, j'ai jugé Gbagbo sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais, qui a fait des sacrifices pour son peuple, pour arrêter les tueries. Et après, quand les deux présidents se sont proclamés après les élections, il a demandé que le recomptage des voix. Il n'a jamais été pour la guerre. Et puis il n'a même pas pris les armes parce que quand on a bombardé chez lui, il n'a pas dit à son armée, allez-y en guerre. Au contraire, il a arrêté. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas bombardé. Je me demande donc comment on peut dire que c'est lui qui est l'auteur des crimes que les Français ont causés en Côte d'Ivoire. Je me demande comment et sur quel crime on l'a pris. Je ne sais pas. C'est pourquoi je viens pour le soutenir. Et je pense que c'est quelqu'un qui est innocent. Bonjour mes frères et sœurs ivoiriens. Je vous souligne de la part de l'Allemagne. Je m'appelle Catherine et je suis venue ici avec un joueur percussionniste Koro qui va bientôt chanter pour Gbagbo. Et moi, je veux aussi supporter votre combat parce que je trouve pas ça correct. Qu'est-ce que se passe en Côte d'Ivoire? Merci. Alors, ici en Hollande, nous sommes une petite communauté d'Ivoiriens. On a été l'un des premiers à décider de mettre sur pied un mouvement. C'est le taxi. Ce que le dernier mot, ce que je veux qu'on retienne dans cette affaire, c'est que ce qu'on fait est politiquement hautement important. En discutant avec les gens qui sont là-bas, là. Les policiers là, en discutant avec eux, ils disaient, on est fatigué. Ils disent, eux sont fatigués. On dit, ah, vous êtes fatigués déjà. C'est pas dans votre pays, ils ont construit bizarre prison là. Ok, d'accord. Si vous voulez prendre le président des gens pour le garder, nous on ne sera jamais fatigué tant que vous ne libérez pas. Je fais avec moi le cri. Ce n'est pas cri panafricain, hein. Je dis le cri. Voilà. Donc quand il dit eh ouais, non, 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 non. Ça là, Abidjan là. Quand moi je dis eh ouais, vous répondez eh. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ça couba couba. 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 Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ça couba couba.
Bien, merci. Merci. Parfois même des superstars, mais pour le besoin de la cause nationale, la cause patriotique, la cause du président Gbagbo et de tous ceux qui, pour lui, sont aujourd'hui en prison, ces artistes-là acceptent nos péripéties et nos caprices et de venir ici chanter pour nous, quelles que soient les conditions, sans demander un seul sou. Avant que je n'appelle le premier artiste, je voudrais, en votre nom et au nom de toute la Côte d'Ivoire, leur dire grand merci pour leur humilité et leur soutien qui nous fait chaud au cœur. De ce pas, je voudrais appeler l'artiste Maëli Ba pour nous entretenir. Pas comme ça. Tu connais Myriam Makeba. S'il te plaît. Tu connais Myriam Makeba. Vas-y, Sankara. Maëli, tu restes là d'abord. Tu connais Myriam Makeba. Oui. Elle bien a sûr. Combattu au moment de l'apartheid. Elle a combattu, les gens pensaient qu'elle chantait dans le vide. Elle a été exilée. Mais elle a gagné le droit de vivre éternellement dans la conscience des Africains et de la liberté sud-africaine. Maëli Ba est toujours avec nous, tous les jours. Je voudrais que vous acclamez très fort la Myriam Makeba de Côte d'Ivoire, Maëli Ba. Soyez bénis. Je dis les Ivoiriens et les Ivoiriennes, soyez bénis. Parce que si Dieu n'est pas dans ce combat, on ne l'a pas. Gbagbo l'avait compris. Je ne veux pas chanter. Je voulais dire quelque chose. On m'a dit, je dois parler au nom des artistes qui sont là. Je suis peut-être l'une des plus jeunes, mais je veux revenir sur le rôle de l'artiste dans un combat tel que celui de Laurent Gbagbo. On ne se déplace pas pour venir nous exhiber sur des scènes. Nous avons des choses à dire. Nous sommes des êtres humains. Avant d'être artiste, on vient de quelque part. Et quand ce quelque part est touché, là on enlève la veste d'artiste et on devient un patriote de ce pays-là. Les artistes ont joué une grosse partition dans ce qui nous arrive aujourd'hui dans le pays. Les artistes ont sensibilisé, ceux qui sont comédiens ont fait des films pour sensibiliser les politiques à ce qui nous arrive aujourd'hui. Ça n'a pas été entendu. Parce qu'il y a une certaine personne dont je ne veux même pas dire le nom, qui s'est donné pour objectif de détruire la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire. Les chanteurs ont chanté, les poètes ont donné des poésies. Ça n'a rien donné. Donc si moi, Maëli, si tous les artistes qui sont là, aujourd'hui, Maga Dendin, Saïzo, tous les autres, si nous sommes encore dans ce combat depuis bientôt 2 ans, parce que octobre, ça va nous faire 2 ans, ce n'est pas des plateaux de scène que nous cherchons. J'aimerais que vous nous accordiez ce respect en tant que tel. Nous sommes des combattants comme vous. Nous ne sommes pas des chanteurs. On est touchés jusque dans nos tripes, c'est pour ça que nous sommes là. Nous aussi, on a nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont touchés. Les artistes ont beaucoup à perdre. Parce que nous avons exposé nos carrières. Nous exposons aussi nos parents. Parce que ce n'est pas pour nous lancer des fleurs. Je le dis avec une Côte d'Ivoire. On l'a fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a démarré, nous. Ce n'est pas en 2010 qu'on a démarré. Donc, des grâces. Quand on est dans ce combat, qu'on arrive, on se déplace, on laisse nos enfants aussi comme vous. Et on vient. Ne nous cantonnez pas dans ce cocon d'artiste chanteur. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse en tant que tel. Quand quelqu'un se réveille un matin, qu'il décide de rentrer dans un camp de réfugiés
Ce n'est pas un artiste qui est devant vous. Quand quelqu'un se couche, qu'il médite, qu'il se dit, je vais me réveiller, là où même ils sont cachés, je vais aller... Je veux voir les poings levés. Je veux voir des hommes et des femmes fortes. Je veux voir des combattants et des combattantes. Prophète Kibangu, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, qui a marqué sa génération. Yes. Il a marqué sa génération. Kosisi Keleli Africa, Malopakani Supandoloyo, Iswa imitanda so Yesu. Keleli Africa, Malopakani Supandoloyo, Fiswa imitanda so Yesu. Kosi sikelela tina lusapoloyo, resonnant depuis longtemps de nos forêts, les tam-tam de nos cris de douleur, de nos mers profondes, nos voix se lèvent. À l'unisson, levons-nous et puis luttons de chaque nation pour élever pour notre victoire. Oh Mama Africa, à tous ceux qui luttent contre l'oppression, contre l'oppression à travers le monde. Tchétché Lupana, mademoiselle panafricaine, David Gadounsi, Jean-Charles Gomez, Sadi Babel-Grégoire, Samana Picasse, En italien, quello che vorrei dirvi è che non è per nulla strano che né straordinario né eccezionale che un presidente venga arrestato, venga sequestrato e venga portato alla corte penale o ucciso. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas extraordinaire qu'un président soit arrêté
qu'il soit déporté à la Cour pénale. Non è per niente eccezionale che un'intera generazione di intellettuali in Costa d'Avorio venga perseguitato tutti i giorni, ucciso o arrestato. Ce n'est pas pour rien extraordinaire que des intellectuels soient arrêtés, emprisonnés et tués. Questo accade da 50 anni in tutta l'Africa. Cela se passe depuis 50 ans en Afrique. Conosciamo bene la storia di Patrice Emery Lumumba. Nous connaissons très bien l'histoire de Patrice Lumumba. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, c'est la même histoire. Nous connaissons bien Nkrumah, Sékou Touré, Thomas Sankara, qui ont tous la même histoire. Quello che è straordinario oggi, come da un anno a questa parte, siete voi che siete qua tutti i giorni a manifestare. Ce qui est extraordinaire, c'est votre présence, c'est notre présence ici en Hollande qui est vraiment extraordinaire. Questa è la prima volta che capita, è la prima volta che gli africani riescono e si impegnano ad opporsi per una politica occidentale ingiusta. Cela est la première fois que des Africains, surtout des Ivoiriens, se réunissent pour aller contre la mauvaise politique de l'Occident. Quello che è straordinario è che voi non avete mai lasciato da solo il presidente Laurent Gbagbo. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait que vous n'avez jamais laissé un seul instant le président Laurent Gbagbo. Dimostrando in questo modo. Dimostrando in questo modo che il professor Laurent Gbagbo, presidente della Costa d'Avorio, è sia allo stesso tempo figlio che padre della Costa d'Avorio. Faisant cela, vous avez tous démontré que le président Gbagbo est le père et en même temps le fils de la Côte d'Ivoire. Ciò che è straordinario è che il presidente Laurent Gbagbo è stato protetto, è stato voluto, è stato riconosciuto dagli ivoriani e che per questo nessuno è riuscito a ucciderlo, né a corromperlo, né a farlo cedere alla violenza. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait que le peuple ivoirien ait voulu, ait accepté, ait aimé le président Gbagbo, ce qui lui a permis de ne pas se laisser corrompre, ce qui a permis de ne pas se laisser distraire par l'Occident, et ce qui lui a valu de sauvegarder sa vie. Quello che è straordinario è che oggi, come da un anno e mezzo, ci siano intellettuali come Alain Toussaint, Abel Naki, il professor Boga-Gervais Sacco, Jean-Claude Sougnini, Mélanie Toali, Patrice Loquet, qui lottano tutti i giorni perché la verità trionfi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des intellectuels ivoiriens qui luttent, qui ont sacrifié leur vie à la lutte pour que cela, pour que la vérité éclate. Ora vorrei rivolgermi al giudice della Corte Penale Internazionale. Maintenant je voudrais m'adresser au juge de la Cour Pénale Internationale. Egregio signor giudice, sono state commesse in Costa d'Avorio gravi violazioni flagranti del diritto internazionale, dei diritti dell'uomo e della legge a danno del popolo ivoriano. Monsieur le juge, il a été commis en Côte d'Ivoire des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre sur le compte de la population ivoirienne. Il modo con cui è stato deposto il presidente Laurent Gbagbo legittimo è illegale. La manière dont le président légalement et légitime de la Côte d'Ivoire a été déposé est une manière illégale. Il modo con cui il presidente Laurent Gbagbo è stato sequestrato ed arrestato è illegale. La manière dont le président a été arrêté est une manière illégale. Il modo con cui il presidente Laurent Gbagbo è stato portato qua alla Corte Penale è illegale. La manière dont le président Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI ici en Hollande est illégale. Ma sono comunque contento ugualmente che il presidente Laurent Gbagbo si trovi alla Corte Penale in Olanda, perché oggi voi avete portato il problema nel cuore dell'Europa.
Je suis tout de même content et satisfait que le président Laurent Gbagbo soit arrivé ici en Hollande, parce que cela nous a permis de transposer le problème, de transporter le problème au cœur de l'Europe. Signor giudice, egregio giudice, oggi qui è alla prova la vostra integrità e la vostra capacità di giocare un ruolo degno della giustizia. Monsieur le juge, aujourd'hui, cette crise de la Côte d'Ivoire, il y a en jeu votre intégrité, intégrité morale, il y a en jeu votre rôle pour que justice soit faite. Mentre voi giudicate il presidente Laurent Gbagbo, noi giudicheremo il vostro operato. Pendant que vous jugez le président Laurent Gbagbo, nous jugerons vos actes. Qua, oggi c'è un intero popolo, se no un intero continente, e tante persone che chiedono di riconoscere una verità drammatica ma innegabile. Aujourd'hui, il y a un peuple entier, et au-delà de ce peuple, tout un continent qui souhaiterait que la vérité soit au-dessus de tout. Et la vérité, c'est que la vérité innegabile est que la France, insieme ai poteri economici, con l'alto tradimento dei funzionari dell'ONU in Costa d'Avorio, hanno commesso gravissime nefandezze. La vérité est que la France, avec son pouvoir économique et la trahison des fonctionnaires de l'ONU, ont mis la main sur la Côte d'Ivoire. Hanno violato la legge della Costa d'Avorio. Ils ont violé la loi de la Côte d'Ivoire. Hanno violato il diritto internazionale. Ils ont violé le droit international. Hanno sequestrato un presidente legittimo. Ils ont séquestré le président légitime. Hanno distrutto una nazione e lo stato sociale. Ils ont détruit le tissu social d'une nation. Hanno sparato su giovani studenti inermi che proteggevano l'istituzione. Ils ont tiré su des jeunes ennemi che défendaient les institutions. Hanno posizionato al comando di una nazione un gangster cresciuto da loro senza morale. Ils ont positionné un homme à la tête d'une nation, un homme sans morale, un gangster. Draman Alassane Ouattara. Draman Ouattara Alassane. Hanno mentito al mondo. Ils ont menti au monde. E vogliono continuare ad affliggere l'Africa e l'umanità. E vogliono continuare ad affliggere l'Africa e l'umanità. Egregio signor giudice della Corte Penale. Monsieur le juge de la Cour pénale. Davanti a lei siede a giudizio un uomo giusto, libero ed integro. Devant vous est un homme. Il y a un homme juste et intègre. Davanti a lei, signor giudice, siede una persona che lotta da 30 anni per la giustizia e la libertà. Monsieur le juge, devant vous, il y a une personne qui lutte depuis 30 ans pour la justice sociale et le bien-être de son peuple. Et dirò di più, je dirai de plus, devant vous, davanti a lei siede una persona che meriterebbe sicuramente il premio Nobel per la pace. Devant vous, il y a un homme qui mérite le prix Nobel de la paix. Signor giudice della Corte Penale. Monsieur le juge de la Cour pénale. Noi le chiediamo di avere il coraggio di guardare in faccia la verità. Nous vous demandons de regarder en face et d'avoir le courage de dire la vérité. Noi le chiediamo di avere dignità nel suo lavoro e dignità per se stessa. Nous vous demandons d'avoir la dignité dans votre travail et la dignité pour vous-même. Noi vi chiediamo di rifiutare le lusinghe e le minacce dei grandi poteri economici e della politica corrotta. Nous vous demandons de refuser le lusinghe e la corruption des grandes puissances. Noi vi chiediamo di scrivere un'importante pagina della storia. Nous vous demandons d'écrire une importante dans le livre de l'histoire de l'humanité. Noi vi chiediamo di riconoscere davanti a tutti la legittimità e la giustizia dell'operato del presidente Laurent Gbagbo. Nous vous demandons de reconnaître la justice dans l'œuvre pour la paix du président Laurent Gbagbo. E quindi allo stesso tempo
tutte le violazioni che sono state commesse a danno del popolo ivoriano da parte della comunità internazionale. E dans le même temps reconnaître toutes les atrocités, les violations commises par la communauté internationale. Solo in questa maniera la famiglia umana potrà camminare sulla strada dell'equità tra popoli e tra le nazioni. Seulement et seulement en cela que la nation, l'humanité tout entière pourra marcher dans le chemin de la paix et de la convivence pacifique. Je tiendrai, chers camarades. Si vous tenez,
tiendrai, je vous en prie. Bébé, je vous en prie. Le Lambabo, quand Dieu, si vous tenez, il tiendra. Faites un effort pour être là. Faites un effort, quitte à perdre 2 heures, 1 heure, 10 minutes. Mais tenez, parce que Laurent Gbagbo, le président élu par le peuple ivoirien, c'est celui-là. C'est à cela que je ne reconnais pas Ouattara comme président. On dit qu'il était la solution. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une solution? Gbagbo est un historien, mais c'est lui la politique. La politique lui-même, l'homme déterminé, l'homme inflexible. Il a même que la France a peur, que le monde entier craint. Laurent Gbagbo, c'est pas pour rien qu'on nous a rejeté encore cette date. Ils ne savent pas quoi faire. On applaudit Laurent Gbagbo. Je compte sur vous. Je compte avec vous. Laurent Gbagbo compte avec vous. Et il compte sur vous. Et il vous attend. Il vient. Je vous remercie. Merci, Maman Zoku. La Côte d'Ivoire en ce moment est dirigée par des hommes qui ne sont plus humains. Ils sont tous sauf des humains. Moi, l'image qui m'a marqué, je vous le dis tous maintenant, c'est quand j'ai vu cette dame couchée qui était morte à Djokwe, son fils en train de têter son sein, pensant qu'elle est encore en vie. Je ne sais pas quelle image peut être plus cruelle que ça. Écoute, moi je veux comprendre une chose. Quelle est cette justice où on arrête le co-auteur sans l'auteur? Parce que s'il y a un co-auteur, ça veut dire qu'il y a un auteur. L'auteur, il est où? Il paraît que Gbagbo est co-auteur indirect. On accuse Gbagbo de crime économique. Je tiens à dire ceci. Quand Gbagbo était chef de l'État, et il est encore, son ministre des Finances s'appelle Diby Kofi. Diby Kofi est encore ministre des Finances. Nous avons été convoqués à cette manifestation par le comité des patriotes ivoiriens de la diaspora. Les responsables vont intervenir d'un moment à l'autre pour expliquer un certain nombre de choses. Nous avons appris un moment que nous devons faire une marche. Et puis subitement, on se retrouve ici dans ce parc. Et vous avez droit à des explications. On ne l'a pas fait jusqu'à présent parce que l'eau qui sort de la bouche du crapaud, c'est l'eau qui est la plus pure. J'aurais pu le faire, mais les responsables sont là. Ils vont expliquer ce qui s'est passé. À côté de cela, c'est l'activité qui arrive. À côté de cela, il y a des informations qui sont relatives à ce que le frère a commencé tout à l'heure qui concerne le président Gbagbo au niveau juridique, au niveau politique. Les choses avancent positivement. Vous avez besoin des informations. Il faut que tout le monde se rapproche. Oui, approchez, je vous prie. Approchez, je vous prie. Approchez. Quand on parle de Gbagbo, ça doit être sérieux. Approchez, je vous prie. Pas si près, pas si près. S'il vous plaît. Merci. Applaudissements, que je demande d'applaudir très 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 fort. Par parole du CEPAD. Très très fort. Applaudissements Dante. Oseye. 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 CPIO. Oh. Sarkozy. Oh. Obama. Oh. Chérif Ousmano, wow. Soro Gyomo, wow. Assassin. Oh. C'est ça qui est la vérité. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce qu'on n'est pas ailleurs, ça c'est la vérité. Mais nous sommes là surtout pour dire au président Gbagbo que nous tenons. Nous tenons. Parce qu'il a dit, si vous tenez, je tiens. Si vous tenez, je tiens. Donc on tient, c'est que lui aussi tient. C'est aussi simple que ça.
Parce que ça ne sert à rien de rester dans sa maison pour dire que je tiens. C'est que tu ne tiens pas. Voilà, les grands discours. Quand on est couché au salon, on a fini de manger les frites, les placalis, les achekés. Et puis on veut refaire le monde au salon là. On ne on veut pas ça. Amen. Voilà. Il y a des femmes ici et là. Saluez-vous les femmes. Vous êtes extraordinaires. Toutes les mobilisations, ce sont toujours les femmes qui sont le plus mobilisées. Je vous rends hommage. Il y a ici des femmes qui sont venues même avec leurs bébés dans les poussettes. Ça prouve leur détermination. Ça prouve que le président Gbagbo a vraiment avec lui Dieu. Parce que c'est des femmes belles, Dieu le veut. Et le président Gbagbo, avec ce soutien qu'il a, surtout des femmes, rien ne peut l'empêcher de sortir triomphalement. Donc, nous devons continuer ce travail. Notre travail qui est celui de la mobilisation. Chacun a son rôle dans l'histoire. D'autres disent qu'on ne vient pas parce que le procès est reporté. Mais si ce n'est pas reporté, mais tu viens, tu vas faire quoi? Tu n'es pas avocat. Tu ne vas même pas aller dans la salle là-bas. Bon, donc, reporter là, ça te dérange en quoi? Est-ce que c'est ça qui va faire que tu ne vas plus te mobiliser? C'est là même au contraire où il a besoin de toi. Parce que là, ce pays a dit quoi? Quand le président Gbagbo est trop populaire, on a peur de ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas lui donner liberté provisoire. Parce qu'il pense que nous, là, on peut l'empêcher de repartir à la prison si on le laisse dehors. On peut, mais on ne va pas le faire. Sinon, on peut. Hein? Voilà. Alors, donc, où là, ce pays même reconnaît que on est trop puissant là. C'est là vrai le jour, parce qu'ils sont là, leurs espions sont partout, hein. Ils regardent. C'est le jour où on dit, bon, on va les voir encore. C'est là qu'on va faire les faux discours, des mobilisateurs, et puis on ne va pas venir. Parce que ce qu'on oublie, c'est que, ou bien ce que ceux qui ne sont pas revenus oublient, c'est qu'on est dans une course de fond. C'est un combat, c'est un bras de fer. Les gens d'en face disent quoi? Oh, laissez, 2 mois, ils vont se calmer. On est dans ça, ça fait plus d'un an. On ne se calme pas. Oui, depuis 2002, on est dedans, mais je veux dire, ce qu'on fait au niveau de l'Europe ici, voilà, ça fait plus d'un an, presque 1 an et demi, ça ne se calme pas. Au contraire, ça augmente. Donc, ils comprennent bien. Leur plan est mélangé. Donc, ce qu'on fait qui marche, parce que c'est ça aujourd'hui qui donne l'espoir au président Gbagbo. Quand nous tous, on regarde la situation là, où maintenant même, on a un peu confiance là, c'est à cause de quoi? C'est à cause des marches qu'on fait là? Sinon, si ce n'est pas ça, et leur plan diabolique là, ceux qui l'ont envoyé ici, on fait un procès rapide, on le condamne à 30 ans, 40 ans, et puis on n'en parle pas. Puisque, d'après eux, il n'avait aucun soutien diplomatique. S'il n'a pas de soutien populaire, ce qu'il avait fini. Et c'était là l'erreur. Ils n'ont pas compté avec vous. Ils n'ont pas compté avec la capacité de réaction des Ivoiriens de la diaspora. Quel que soit ce que ça nous a coûté, que ça nous coûte, on est toujours mobilisés. Et donc, au moment où on doit aller de l'avant, faire ce qu'on fait qui marche, ce n'est pas la peine de reculer. C'est donc ce qui m'amène à parler de manifestations présentes. On vous avait dit qu'on devait marcher aujourd'hui. Et finalement, on se retrouve ici, sur cette même place, à faire un sit-in. Pourquoi? Initialement, on avait introduit la demande de marche auprès donc des autorités de la ville. Et ils nous ont dit, le maire nous a dit, que les jours de procès, il n'y a pas de marche possible ici. Il a pris un décret municipal pour cela. Donc il dit, le jour où il y a procès, tout ce qu'on peut avoir, c'est un sit-in en ce lieu. Et les autres, les satans là, il leur a donné leur place, s'ils viennent quelque part dans un stade qui est kilomètre d'ici. C'est comme ça qu'il nous a expliqué le à 10 km d'ici, le stade où eux seront. Il a dit le 18 juin, il leur avait réservé ce stade, mais ils ne sont pas venus. Et ils avaient dit qu'ils allaient revenir le 13. Et c'était qu'ils peuvent revenir ici encore. Ils ne peuvent même pas revenir. Ils sont vraiment venus même. Alors moi, je vous explique pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé.
Donc c'était comme ça le dispositif les jours de procès. Il a dit si vous voulez des marches, là c'est jour. Mais le jour de procès, il n'y a pas possibilité de marche. Donc on avait accepté qu'on fasse notre sitting ici si le procès avait lieu. Comme le procès a été reporté, c'est le maire même qui nous a appelé pour dire bien qu'est-ce que vous faites alors. On a dit nous on veut une marche. On veut marcher de la prison au centre-ville. Immédiatement, il a dit oui, je vous l'accorde. Alléluia. Immédiatement. Il dit depuis que ils gèrent, enfin lui avec la police, ils gèrent les manifestations, ils n'ont jamais vu ce qu'ils voient là. Des manifestants disciplinés, qui respectent les consignes, après la manifestation qui finit toujours à l'heure, ils ramassent les choses, ils n'ont jamais vu ça. Et pour cela, ils étaient très contents de cette collaboration. Et nous a donné la marche. On applaudit pour ça quand même. Mais c'est sans compter avec nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. C'est ça, nous-mêmes. Le lendemain matin, la police reçoit une autre demande de marche le même jour. Et la police dit au frère, qui n'a même pas d'organisation en plus, hein, c'est un individu, il est seul. Il anime un groupe sur Facebook, c'est tout. Produit donc une demande de marche. La police lui dit, mais vous êtes pour Gabo? Il dit oui. Il dit, on a bien accordé la marche, allez-y, faites ensemble avec les autres. Il a répondu à la police par un email que la police nous a envoyé pour dire non, je ne veux pas avec eux. La police a appelé, nous a appelé la nuit pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un problème entre vous? Jusqu'à présent, on pensait que vous étiez très bien organisé, que les choses se passaient très bien. Nous, on ne veut pas qu'il y ait plusieurs groupes, plusieurs demandes qui vont venir de partout. Allez-y vous entendre et venez nous confirmer que vous êtes entendus et on vous mettait la marche. On a appelé ce frère jusqu'à 3h du matin, discuté avec lui, il maintient sa position, comme quoi lui ne change pas. Que pourquoi nous, on pense que, je vais dire son nom, sur Facebook, il s'est fait appeler Cherokee Langa. Langa là. Non, aujourd'hui là, on va se dire la vérité. Voilà. Il a dit qu'il ne retire pas, il ne retire pas sa position. Et donc la police a attaqué Edouard. Il n'y a pas de problème. La police a donc rappelé pour dire bien, nous avons assez de cette situation. Chaque jour, ils font une réunion chaque matin avec le maire pour déterminer la sécurité de la ville. À la réunion, ils ont exposé la situation au maire, il a dit bien, plus de marche. Plus de marche parce que si c'est pour se tirer encore, ça fait le deuxième groupe, après il y aura peut-être un troisième, un quatrième, et on s'en sort plus. Vous avez la place que je lui ai donnée la dernière fois, rien d'autre. Et ce que je peux faire, parce que toujours, il a fait ce que nous faisons, et il nous donne la place gratuitement au lieu de la payer. Bonjour, je me présente, Monique Vitelot, je fais partie de la délégation de Lyon. Nous sommes arrivés ce matin au petit matin à La Haye. Bon, nous sommes là pour comprendre un peu ce pourquoi la lecture des charges qui devait être faite au président Laurent Gbagbo est sans arrêt rejetée. Bon, les camarades ont bien organisé la manifestation qui devait avoir lieu. Ils nous ont expliqué ce pourquoi ça n'a pas été réuni. Bon, on souhaite que cette fois-ci, c'est la dernière et qu'on n'ait plus à venir ici parce que le président Laurent Gbagbo n'a rien à faire là où il est. Voilà. Je voudrais simplement demander au mouvement de la résistance d'être unis, c'est très important. Ce qu'on a vu ce matin dans l'organisation, un hic. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire un grand merci aux camarades militants, aux camarades patriotes, aux résistants de la ville de Lyon et faire dire un petit coucou à mes compatriotes avec lesquels je suis ici, Madame Zigo, cette brave dame qui n'a jamais reculé derrière cette résistance. On réveille à minuit, on dit on va à La Haye qui va. Je voudrais lui dire un grand merci. Et puis ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons X ou Y,
qui n'ont pas pu cette fois-ci se déplacer. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je suis Monique Berthelot et à très bientôt, la victoire. Thank you.
seulement un an et demi maintenant pour la cause de la Côte d'Ivoire incarnée par le président Laurent Gbagbo, simplement parce que ce monsieur, que ce soit au plan politique, au plan juridique, et même spirituel, il est dans le vrai, il a toujours été bon, et aujourd'hui ceux avec qui il a été bon, ce sont ceux-là qui aujourd'hui l'ont enlevé jusqu'à le déporter à la Cour pénale internationale. Justement, s'agissant de la Cour pénale internationale, je tiens à préciser que les reports successifs de ce procès, qui ont été bien entendu demandés par Maître Altit, qui est le conseil du président Laurent Gbagbo, sont toujours acceptés par la Cour pénale internationale, par les juges, parce que les juges n'étaient pas obligés d'accepter les demandes de report. Mais s'ils le font si facilement, c'est sans doute parce que ça les arrange. Vous savez que nous avons affaire à un procès qui est à la limite politique. C'est un procès politique. Et donc aujourd'hui, ils se disent très bien, parce que quand M. Laurent Gbagbo est présumé innocent, s'il est présumé innocent, ça veut dire qu'il peut être acquitté. Mais s'il est acquitté, comment retourne-t-il en Côte d'Ivoire? Il va retourner en Côte d'Ivoire en tant que président, puisque c'est en tant que président qu'il a été kidnappé. Et en ce moment-là, ça pose un problème parce que la communauté internationale aura été en contradiction avec elle-même, puisque c'est celle-là qui a balayé le président Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara. Bref, ce que je dois pouvoir dire, c'est que ce procès-là, ils le reporteront autant de fois qu'ils voudront. Mais les Ivoiriens et les Africains se mobiliseront parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo a dépassé le cadre de la Côte d'Ivoire. C'est un symbole de la libération de toute l'Afrique. Voilà. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que le peuple de Gbagbo, du président Gbagbo, le vaillant peuple ivoirien déterminé à le libérer ici à La Haye, est-ce que vous êtes là? Nous sommes venus libérer le président. Monsieur le président, chers camarades militants, président Gbagbo, sache que plus que jamais, nous sommes là pour toi. Je sais que de La Haye, dans ta prison là-bas, tu nous entends. Sache que tes amis sont là, tes frères sont là, le procès a été reporté, mais nous sommes toujours là, debout, et nous n'avons pas besoin d'un procès pour venir te soutenir. Nous te soutenons car nous savons que le combat que tu mènes est un combat juste. Chers camarades, le combat du président est un combat juste. Tout a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que en face, il y a des armes. D'ailleurs, ça se mélange là-bas. Nous ne nous sentons concernés ni de près, ni de loin. Nous voulons accéder au pouvoir par les urnes. Donc les armes, nous ne nous sentons concernés ni de près, ni de loin. Ils voulaient gouverner ce pouvoir-là. Ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Nous, on regarde devant. Parce que Laurent Gbagbo a dit, nous, c'est devant que ça se passe. Et devant, c'est la libération du président Gbagbo, c'est la libération du peuple ivoirien, c'est la libération de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous n'avons pas d'âme. Notre âme, c'est la mobilisation. Notre âme, c'est la détermination à mener ce combat. Et c'est pour ça que je remercie, au nom du Front populaire ivoirien, au nom du président Afi, qui est là-bas, lui aussi, en prison, avec la première dame, la vraie première dame de la Côte d'Ivoire, avec tous nos camarades, en leur nom, je vous remercie. Parce que je sais que c'est parce que vous pensez à eux, et c'est parce que vous croyez que le combat pour lequel, le combat qu'ils sont en train de mener est un combat juste. C'est pour ça que nous sommes là. Le Ouattara, il a ses problèmes. Nous, nos problèmes, c'est la mobilisation. Alassane Dramane Ouattara, c'est un génocidaire, un assassin, qu'il se débrouille. Nous, comme je disais, notre âme, c'est la mobilisation. Attendez, vous voyez que Ouattara, ses soutiens sont en train de le lâcher de plus en plus. Et les soutiens, là, ce qui les arrange, c'est notre détermination à aller jusqu'au bout. Donc ne baissons pas les bras. C'est un message. Parce que bientôt, l'Afrique va être libérée. Bientôt, la Côte d'Ivoire va être libérée. Pas par les armes, hein. Nous, on s'en fout. Mais on sait quand même que quand on regarde la situation, de la façon dont c'est mélangé, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc la Côte d'Ivoire sera libérée. Et bientôt, le président Gbagbo
sera libéré. Dis à ton voisin, Babo sera libéré. Dis à ton voisin, Babo sera libéré. Et c'est pour ça que nous sommes là. Babo sera libéré. Babo sera libéré. Babo sera libéré. Et il sera libéré parce que nous avons décidé de cette liberté. Parce que ce que la bouche dit, ça s'accomplit. Et ça va s'accomplir parce que nous le désirons du plus fort. Et nous l'avons dit. Donc en partant d'ici, dis à ton ami, dis à ton voisin, dis à ton frère, dis à ta soeur que la lutte devient intéressante. Parce que là, nous sommes dans le tunnel. Nous avons approché le bout du tunnel. Nous voyons la lumière du jour, la lumière de la liberté, la lumière qui va libérer Babo, la lumière qui va libérer la Côte d'Ivoire, la lumière qui va libérer l'Afrique. Cette lumière, nous la voyons. Et c'est pour ça que nous devons rester unis, nous devons rester déterminés, nous devons rester forts, car la vérité est avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire! Vive Laurent Babo, applaudissez-vous, car c'est vous qui menez le combat, je vous remercie. Merci Bouyou Kyo, une ovation pour Bouyou Kyo, s'il vous plaît. En vérité, je vous le confesse, Babo sera libéré. Petit Pima, pas conseillé. Merci camarades, merci chers frères et sœurs, nous sommes venus avec une histoire. Nous l'avons dit à Paris et nous allons nous balader avec cette histoire jusqu'à ce que la victoire soit totale. Cher ami, cher ami, cher ami, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est pour notre bien. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est similaire à un chasseur. Nous tous ici, nous sommes des chasseurs. Quand un chasseur va dans la brousse, il va pour amener de la viande, il va pour abattre un animal. Mais comme le dit un humoriste en Côte d'Ivoire, le nommé Agalawal, quand le chasseur s'en va et qu'il arrive, mais il voit que ce n'est pas lui qui a abattu l'animal. Mais il trouve devant lui un animal mort. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit il prend l'animal, il envoie au village, tout le monde mange. Ou bien il prend l'animal et il se pose des questions. Mais aussi, c'est quel genre d'animal? Si l'animal s'appelle autre que quelqu'un, mais c'est un animal véritable. Il prend cet animal-là, il discute. Mais, si l'animal s'appelle Draman Ouattara, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas, quand on le voit en propre, ça va. Voilà. Voilà. Voilà comment résumer ce qui est en train de se passer. Que ce soit entre les versis, que ce soit des probabos, que ce soit des martiens, le jour où Ouattara sera tapis, il faut soutenir tous ceux qui auront fait ça. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pour cela, chers camarades. Nous, maintenant, nous n'allons pas trop parler. Mais ce qu'on demande, c'est une mobilisation totale. Une mobilisation totale. Chers amis, dans la joie à venir, et par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme hier, il paraît que les gens on jouait au ballon à Bassam, après avoir joué au ballon à Yopougo, après avoir joué au ballon à Beauville, après avoir joué à Gwedo, après avoir joué à Bangourou, ils ont joué à Bassam. Donc cher ami, la victoire n'est pas loin. La victoire n'est pas loin. Ce qu'on demande pour terminer à ceux qui sont en train de faire ça, même si c'est entre eux, nous voulons une réconciliation totale. Ouattara ne peut pas faire une réconciliation de Ouattara s'en aille. Voilà, cher ami. Donc, en avant pour la victoire. Et n'ayez pas peur. Nous allons gagner ce combat. La coalition pour la libération de Laurent Gbagbo, que je représente avec certains camarades qui sont arrivés ici depuis hier. La présidente, elle a été empêchée, elle est en France. Je remercie aussi tous les camarades de France
tous les militants de France qui ont fait ce déplacement-là, mais sachez que là où nous allons aller jusqu'au bout. Nous vous remercions. Vive la Côte d'Ivoire, vive Laurent Gbagbo. Merci Petit Puma. Les Camerounais ont vécu exactement la même chose qui s'est produite dans la Côte d'Ivoire. C'est ce que c'est que la souffrance. C'est ce que c'est que un peuple meurtri. C'est pour ça que le Cameroun vous soutient à 2000%. Et nous serons toujours là pour vous soutenir. Donc que la lutte continue et bon courage. Merci Anicette. You all people know that we are from the Ivory Coast. You all people know that we know what happened in our country. And we know that Laurent Gbagbo is here in jail. And we want him free. The one thing that we want is to have our president, Laurent Gbagbo, free. We got to have him free. So brothers and sisters, we are all here because we want to make it. He's got to be free. And all I want you to do now is Laurent Gbagbo is got to be free. Okay? Ich wollte nur sagen, dass unser Präsident Laurent Gbagbo ist hier im Gefängnis. Und wir wollen ihn frei haben. Wir wollen, dass frei ist. Jeder von uns hier will gern, dass der Präsident frei ist. Hat gar nichts getan. Hat nie jemanden getötet. Es ist immer jeder, der mit anderen Leuten sprechen will. Also ich möchte nur euch sagen, dass unser Präsident, der Laurent Gbagbo, hier im Gefängnis sitzt. Und dahin gehört nicht. Laurent Gbagbo n'appartient pas à cette prison. Il ne doit pas être là. Gehört im Gefängnis nicht. Laurent Gbagbo is not a guy that wants war. And we all here pray that they set him free. And I want my brothers and sisters to say that Laurent Gbagbo is going to be free. Donc, j'ai fait une chanson pour les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique, les enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique qui meurent. Les enfants d'Afrique. Je vois dans tes yeux, ces tout petits mystères me font penser. Tout petit mystère que je vois dans tes yeux, ces tout petits mystères me font chanter, chanter. The same spirit of wisdom. Make me try. I walk the streets, then I walk the radio. But I didn't need to turn it on. This song. Just stay on the road. Every weekend is almost gone. On the grind, in the day of night. On the letters you don't write. All the arms of the soul refers, that'll make me cry, that'll make me cry. On the ground in the dead of night, on the
Je vois dans tes yeux, ce doux petit mystère me font penser, penser. Mesdames, Messieurs, je voulais vous présenter un autre frère qui est venu de Paris, qui est venu de la province, rien que pour nous soutenir, que Laurent Gbagbo soit free, qu'il soit libre, qu'il parle, qu'il ne se taise plus, qu'il dise pourquoi nous sommes tous réunis ici. Je vous présente, Mesdames, Messieurs, Beta Simon. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous devez retenir quelque chose. Si tu te fais prendre par la queue d'un dragon et la tête du dragon doit te juger, tu n'as pas trop de chance. Parce que la queue, I tell you, voilà où je devais en venir. Il faut faire appel à celui qui a la possibilité de marcher sur les dragons et les serpents. Le tribunal pénal international et l'ONU, il n'y a pas de différence. C'est comme la queue du dragon et la tête du dragon. Titi van yapa, asaraye prophétie la yo. 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 Hi, 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 hi. Hi, a prophecy in your sativa. 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 Titiva, yapa, as a high prophecy, la yo. Titiva, yapa, as a high prophecy, la yo. Hi, 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 hi. Aye prophecy yo sa titiva. 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 Il y a des plantes, des êtres qui empêchent la haute prophétie. Titivara, il n'y a pas à sa aye prophétie yo. Il y a des êtres aujourd'hui qui sont considérés comme ces plantes, qui empêche la haute prophétie. Mais Dieu est plus que vainqueur. God bless you. Le bon maman. Tapez les mains, tout le monde. Ça, c'est une chanson du peuple. Tapez les mains de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Amen.
police. On a dépassé l'heure. La police est à nos pieds, à nos trousses. On doit partir. C'est le prix à payer pour revenir prochainement. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'AIE pour manifester notre attachement au président Laurent Gbagbo. Les reports successifs de son audience ne peuvent pas nous empêcher de soutenir notre président démocratiquement élu. C'est pour cela qu'on a mobilisé suffisamment de personnes pour que tout le monde comprenne que Laurent Gbagbo, quel que soit le sort qui lui est réservé, et nous pensons qu'il va en sortir rapidement, mais nous avons voulu lui dire que nous serons toujours là et chaque fois que cela sera possible, tant qu'il est là, on viendra, on reviendra. Je salue vraiment tous ceux qui ont manifesté cela par leur arrivée massive de Lyon, de Toulouse, de tous les pays européens. Et en tant que président de la plateforme souveraineté panafricaine, je salue les différentes composantes de mon mouvement, c'est-à-dire CRI panafricain, les femmes patriotes et les autres mouvements. En tout cas, c'est cela que j'ai voulu signifier dans mes propos. Je remercie tout le monde, tous les journalistes qui nous soutiennent et tous ceux ivoiriens, non-ivoiriens qui épousent notre cause. Et on est ensemble, on reviendra et je voudrais vraiment vous remercier pour cela.